Peuple du monde, et bonsoir également à ceux des États-Unis et bonsoir à ceux qui sont au Canada et au Japon. Donc, bonjour également à tout le peuple du monde. Donc, aujourd'hui, je vais parler de Okong Akala, un procureur court bonhomme qui massacre immensément le peuple congolais, qui donne à la milice de M. 8% Sassou, qui n'a pas gagné aux élections au Congo-Brazzaville, mais qui a triché aux élections et épaulé par Hollande le corrompu, qui avait dit Sassou peut consulter son peuple. Pendant ce temps, Sassou n'a même pas de peuple. Hollande le corrompu a pensé qu'à l'odeur du pétrole qui rapporte immensément de l'argent, et immensément de bien pour la France. Hollande s'en fout de la vie des Congolais. Mais nous allons prouver au Hollande le corrompu que nous, on ne joue pas avec nous. Qui touche à un Congolais ou plusieurs Congolais aura affaire avec nous. Car nous avons montré à la France qui a-t-on joué avec nous qu'elle ne pourrait plus continuer. Parce que nous avons mis un terme au jeu de la barbarie de la France. Nous avons mis un terme. Un terme dans quel sens? Est-ce que Nicolas Sarkozy est passé président en France? Est-ce que François Fillon, qui a rendu Pénélope, sa femme, la mieux payée de France, de merde, avec l'argent de la sueur des Français, hein? Est-ce que il est passé président? Est-ce que Manuel Valls, espagnol de merde, qui est a pensé à être président en France pour faire de la France la deuxième capitale de l'Espagne, est-ce qu'il a eu à être président en France, hein? Est-ce que François Fillon, le basque espagnol de merde, l'ami de M. 8%, Sassou, le grand tueur corbeau noir, est-ce que est passé président? Donc vous voyez l'efficacité. C'est pour vous faire voir que on ne joue pas avec nous. Nous, les Congolais, on ne joue pas avec nous. On ne joue pas avec le peuple bantou. On ne joue pas avec les Gabonais. Parce que les Gabonais, ce sont nos frères, peuple bantou. On ne joue pas avec les Camerounais. Parce que ce sont des bantous. Mais vous avez tellement fait du mal, vous, la France. Oui, la France d'Hollande le corrompu. Hollande 666, le corrompu de merde. Hein? L'argent que les dictateurs ont donné à pas mal de gens corrompus véreux de France pour se présenter aux élections présidentielles, nous avons fait un travail tangible. Moi, Luthier, j'ai fait un travail tangible. J'ai mis barrage, barrage, barrage. Hein? Donc, Okong Akala, toi, procureur de merde, toi, le procureur de merde au Okong Akala. À l'époque, quand tu étais avec quelqu'un très humain, en la personne de Papi Ipé, paix à son âme, il savait que tu étais malhonnête. Et même dans sa tombe, il sait que tu es malhonnête. Comme Marc Mabing. La pédophilie comme Sako Yakongo, qui viennent de nous montrer les pervers ministres du gouvernement de Mwamba. Le parent de Donald, Imperator, le cafard. Nous sommes pour la clarification et la moralisation de la vraie vie politique et non de la fausse vie politique d'avant et du présent. Le monde est fatigué de la duplicité, les hommes politiques à travers le monde. Tayul Fulbert, Jacques Opango, venez à notre aide.
Au Congakala, tu es une pédale du corbeau noir. 8% Sassou 666, Satan le cafard. Tu n'es pas un procureur, mais un PD, ainsi que du pédophile. Pédophile. Tu aimes bien violer les enfants de la rue, au Congakala. La nuit, tu es une petite copine de Monsieur 8%. Sassou 666, le corbeau. Au Congakala, le perle pimpin. Du corbeau noir, 8% Sassou. 666 qui tue le peuple congolais chaque jour. Au Congakala, compte à la milice de 8% 666, le corbeau noir, la fin arrive pour bientôt. Au nom de Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. Ton petit Dieu, 8% Sassou, 666, le corbeau noir, finira très mal. Pire même que Samuel Do. Le message est clair. Peuple du Nord, peuple du Sud, mettons-nous tous ensemble pour finir avec le corbeau noir. 8% Sassou, 666, le numéro 1, l'ennemi numéro 1 de toute cette jeunesse, ainsi que de toutes les nouvelles générations du futur. Nous avons le devoir de mettre plusieurs balles sur la nuque du corbeau noir. 8% Sassou. 666. Le plus grand fou au Congo. Le corbeau noir ne nous aime pas. Enfant du Nord, enfant du Sud. Où est notre bravoure? Où est notre bravoure? Où est notre détermination? Où est notre courage pour défendre notre patrie? Nous sommes où? Nous sommes où les hommes, les femmes, les enfants du Congo Brazzaville vivent le vrai, des vrais présidents, Fulbert Yu. Vive le vieux Jacques Opango. Vive le président Massamba Déba. Le vrai président du Congo qui a fait de bonnes choses sans avoir du pétrole. Le Congo, il y avait des entreprises avec Massamba Déba et avec Gilbert Yulou, le premier président. Il y avait des entreprises. Avec 8%, catastrophe et catastrophe. Aucune entreprise. Destruction massive des entreprises. Destruction massive de l'éducation nationale. Car M. 8% n'est pas pour l'éducation nationale. M. 8% est pour qu'il y ait plus d'illettrés dans la République. Car lui-même, c'est l'un des grands illettrés. 8%. 8%, les Congolais l'ont tellement pris pour un dieu. Mais je vous dis aujourd'hui, peuple du Nord, 8% n'est pas votre dieu. Il n'est que de la merde qui ressemble exactement aux excréments qui viennent des toilettes. Monsieur 8% est un humain. Monsieur 8% n'est pas Dieu. Monsieur 8%
Il vous a tellement maltraité et le Congo, soi-disant un Congo démocratique, soi-disant un Congo où ce que le peuple aura droit à la parole, mais le Congo Brazzaville est devenu un Congo là où il n'y a que la peur. Car les armes qui servent à amener une sécurité dans le pays et à ramener plus de stabilité dans le pays, ces armes servent à torturer et à tuer les Congolais qui sont honnêtes, les Congolais qui sont des braves, les Congolais qui aiment la vérité, les Congolais qui aiment s'exprimer, les Congolais qui aiment pas fermer leur bouche, mais avec M. 8%, il faut les envoyer à la mort. Peuple congolais, l'heure, elle vous appartient, elle nous appartient. Peuple du Nord, peuple du Sud, nous sommes un même peuple au Congo. Notre seul ennemi, c'est 8%. Notre seul corbeau noir, qui est l'ennemi juré numéro 1 de toutes les générations, 17 à 18 générations que 8% effacées du Congo. Dis donc, un seul individu qui a tellement massacré et personne n'a bougé aucun doigt. Car parmi soi-disant des opposants, il n'y a que des gens du ventre. Exactement comme Parfait Kolela, le plus grand boucher, le plus grand tueur des Congolais, exactement comme Mounari, qui a tellement applaudi la musique de 8%, qui a tellement été calme de la musique de 8%. Nous demandons que justice soit faite. Et nous demandons à ce que nous mettons fin au cinéma de 8%. Peuple congolais, courage. N'ayez pas peur, car ceux qui vivent dans la peur sont un peuple qui rend à la destruction. Mais ceux qui sont courageux et qui tiennent tête à 8% sont des braves Congolais, comme exactement moi, le tien africain et le tien français. Nous finirons avec 8% plusieurs balles en pleine nuque. Sans discuter, Monsieur 8% mérite d'avoir plusieurs balles en pleine nuque afin que Monsieur 8% puisse respecter tout Congolais. Il est temps, peuple congolais, d'ouvrir les yeux et d'en finir avec le plus grand cafard démoniaque dans la République. Au Congo, il n'y a que des morts. Des morts. Le Congo d'aujourd'hui, avec le corbeau noir, 8% s'assoit. Les papas couchent avec leurs filles, leurs propres filles. Les oncles couchent avec leurs propres nièces et les enceintes. Avec le corbeau noir, 8%, les Congolais reconnaissent plus leur vraie valeur d'être des humains. Car la corruption, les viols, les crimes contre l'humanité, abus sexuels. La pédophilie est acceptée dans le régime de 8%. Car tous ce sont des malades, des vrais malades. Car pour eux, violenter sexuellement la femme ainsi que les enfants, c'est prouver leur bravoure d'être des hommes. Mais, au contraire, nous avons affaire à des gens qui sont des malades dans une république plus malade que des malades. Donc 8% mérite d'avoir plusieurs balles, 8% mérite d'être attaché comme exactement un cabri. 8% et toute sa bande de corbeaux noirs, ainsi que sa marmaille des cafards d'enfants, mérite la pendaison totale. Peuple du Nord, Sassou n'a rien fait pour vous. Peuple du Sud, Sassou n'a rien fait pour vous. Peuple du Nord, le courage et la détermination d'en finir avec 8% est notre premier acte. Peuple du Sud, le courage, nous devons l'avoir pour en découdre avec 8%. Nos vraies valeurs comme
à l'époque de Sisse, et le président Philbert Jules. Peuple du Congo, retrouvons nos vraies valeurs comme à l'époque du fils et vrai président Philbert Jules. Vive le vieux vrai Jacques Opango. Vive le vrai et vrai résistant André Grenard Massoua, l'homme vrai du peuple congolais. Peuple congolais, courage. Tenez bon, nous allons finir avec ces perlimpinpins. Dans notre si belle petite république, le Congo met le corbeau noir à faire du Congo l'un des pays numéro un du sang. Chaque jour, il y a des gens qui meurent. Chaque jour, il y a des femmes violentées sexuellement. Le sang coule et le sang fait que couler. Matin et midi et soir, ainsi que toute la nuit, le sang fait que couler. Les Congolais doivent retrouver leur vrai Congo d'hier. Un Congo meilleur pour tous. Un Congo fiable pour tous. Celui de Philbert Jules, dont 8% a tout fait pour effacer leur nom dans l'histoire au Congo. Massamba Déba, le nom doit revenir dans toute la surface du Congo. Le vieux Jacques Opango, le nom doit revenir dans toute la surface du Congo. Tous nos ancêtres bantous du Congo, nous devons ramener leur nom au Congo. Oui, pour cent n'est pas le président du Congo, mais un imposteur. Oui, pour cent n'a pas gagné aux élections, mais s'est imposé en tant que président du Congo avec les armes. Peuple congolais, soyons courageux comme exactement nos arrières et arrière-grands-parents. Bantou, prenons les armes, prenons tout ce que nous avons pour nous défendre. Ne laissons pas un cafard faire de nous des vauriens. Ne laissons pas un cafard nous massacrer et massacrer toutes nos générations. Notre destin nous appartient, peuple congolais, à nous de prendre les armes et de nous défendre. Il est temps que nous puissions finir avec 8% le vampire, 8% le corbeau noir. Il est temps que nous puissions en découdre avec sa bande de barbares. La crainte, nous ne connaissons pas. Nous sommes les fils d'une nation très courageuse et très très courageuse. Nous sommes des fils du Congo. Un Congo fort, un Congo meilleur pour tous. Nous sommes contre tous ceux qui veulent envoyer plusieurs Congolais à la mort pour leur petit profit et pour leur gros ventre de perlimpinpin, leur gros ventre d'excréments de merde. Nous disons c'est fini, une république de désordre. La république de désordre de 8%, il ira en enfer avec sa république de 8% de merde. Tout prisonnier politique arrêté seront libérés immédiatement. Peuple congolais, la libération du Congo nous appartient à tous. La vraie libération du Congo peut venir que de nous-mêmes avec une détermination. Tout traître du Congo, nous devons en découdre avec eux. Mettons fin au cinéma de 8%. Il est temps, peuple congolais, je vous appelle. Je vous appelle avec un cœur sincère. Petit et grand, militaires, enfants, femmes, vieux, vieillards, partout où vous êtes. Écoutez le cri d'alarme afin que vous puissiez vous lever et défendre la République qui est en danger de perte énorme. N'acceptez plus qu'on tue vos femmes, vos enfants. N'acceptez plus qu'on tue vos grandes-mères et vos grands-pères. Lèvez-vous, peuple congolais, vous n'êtes pas des peuples mous, mais vous êtes des peuples de guerriers. Il est temps de prendre conscience.
8% Sassou 666, le corbeau noir. Lui, il saigne jusque le sang. Vive le vrai président Masson Badeba, qui avait créé des entreprises au Congo sans le pétrole. Car avec 8% 666, le corbeau noir, c'est devenu un pays sans règles. Un pays où il n'y a que la corruption, où tout le monde sont ont eu le grand diplôme de pouvoir aller au trésor public et racler l'argent du trésor public et faire sortir cet argent à n'importe quel moment. C'est devenu une république de malades, une république là où tout le monde se prenne pour des chefs parce qu'on leur a permis que la république est une république du désordre. Mais nous allons ramener toutes choses en ordre et toutes choses sans qu'on puisse nous duper. Le Congo changera un jour, ayez confiance. Car cela finira un jour, au nom de nos ancêtres bantous. J'appelle Simon Kibango le vrai. J'appelle Kimpavita la vraie. Nous finirons avec toutes les milices du corbeau noir, 8%. Sassou 666, l'ennemi des Congolais. Peuple congolais. Peuple congolais, brave, dans tout coin du Congo, n'ayez aucune peur. L'efficacité et le courage dépendra que de tout un peuple qui veut se libérer des enchaînements de la mort. Même si vous restez chez vous, le corbeau noir enverra des gens pour vous tuer. Même si vous êtes à l'école, le corbeau noir enverra des gens dans vos écoles, l'université, les collèges primaires pour massacrer vos enfants. Il est temps que vous vous levez et que vous puissiez défendre cette république qui est en danger. La peur, aujourd'hui, ne l'acceptez plus. La peur, ne l'acceptez plus, mais faites à ce que cette peur, que ce soit le camp de 8% qui ait peur. Peuple congolais, courage. Les clans du vampire 8% Sassou 666, le corbeau noir, peuple congolais, libérons-nous de la main des étrangers, donc de la France. Disons tous non aux francs CFA, des colonies d'Afrique française. À bas la colonisation, à bas toutes les dictatures chez nous en Afrique, vive la révolution dans le bassin du Congo. Vive la détermination d'un peuple dans le bassin du Congo qui veulent leur libération totale. Vive le peuple du Grand Congo RDC. Vive le peuple du Congo Brazzaville. Vive le peuple du Centrafrique. Vive le peuple du Cameroun. Vive le peuple du Gabon. Vive tout le peuple africain qui cherche à être libre. Vive le peuple bantou. Nous arriverons jusqu'à notre détermination. La peur, c'est moi le tien. Je ne connais pas de peur, je connais que le courage. La détermination, elle est en moi. J'arriverai jusqu'à mon projet, jusqu'au but dont découle. Avec tous ceux qui nous tuent, tous ceux qui nous envoient à la mort, nous finirons avec eux. Au nom du Dieu le Père Tout-Puissant, je suis fort et je resterai fort. Vive le vrai Willy Onyami, petit-fils de Jacques Opango. Le vrai des vrais. Vive le vrai Willy Onyami, petit-fils du vieux Jacques Opango, peuple du Nord, peuple du Sud. Ayez confiance à notre vrai travail pour la libération du Congo. Moi, luthier africain.
français, je suis fils du sud et pourquoi pas fils du nord. Je vous aime, peuple du nord. Nous ne sommes pas des ennemis. Notre seul ennemi, c'est Monsieur 8%. Lui qui tue le peuple congolais, lui qui envoie pas mal de Congolais à la mort. Nous mettrons fin au cinéma de Monsieur 8%, le plus grand tueur de toutes les générations du Congo. Car Sassou a trop tué. Il a trop envoyé des générations à la mort à cause des grands détournements de fonds. Il n'a jamais travaillé pour le Congo. Il est venu que là pour s'enrichir et enrichir toute sa bande de cafards, des corbeaux noirs, des grands voleurs de la République. 8% se dit qu'il est que c'est un franc-maçon, ainsi que tous ses frères tueurs des dictateurs en Afrique. Ils ne sont pas des francs-maçons, ce sont des francs-mains sorcellerie. Écoutez-moi bien, peuple congolais. 8%, ainsi que tous les dictateurs, ils se disent que ce sont des francs-maçons, mais je veux vous dire non. Ce sont des francs-mains sorcellerie. Des francs-mains sorcellerie. Des francs-mains sorcellerie. Ce n'est pas des francs-maçons. Car la franc-maçonnerie en France ou dans l'Europe ou ailleurs aux États-Unis, c'est construire des chemins de fer, c'est de construire des entreprises, donner du travail à tout citoyen. La franc-maçonnerie dans les pays occidentaux, c'est de toujours donner et donner du travail aux citoyens. Mais la franc-maçonnerie, c'est d'envoyer plusieurs personnes à la mort et de violenter les femmes sexuellement car ils prennent plaisir. Car pour eux, violenter la femme sexuellement, c'est un meilleur remède. Pour eux, abuser des enfants sexuellement est un remède meilleur. Mais vous devez savoir, nous avons affaire à des malades dans la République, des grands malades. Le peuple du Nord et le peuple du Sud doivent être des vrais. Oui, des vrais. Comme mon grand frère Willy Onyami, ainsi que comme moi, le pied africain et français. Pardon. Soyons des fils vrais pour le bien de toutes les générations du Congo, Brazzaville. Être vrai, c'est aimer les autres. Car celui qui aime son prochain est un vrai. Nous savons nous avons tous le devoir de tenir bon et d'être deux. Car la peur ne doit pas être en nous. Nous ne devons pas avoir peur, mais nous devons être un peuple courageux. Car dans toute révolution, il y a eu des gens qui sont tombés, mais il y a eu des gens debout. Mais cette fois-ci, avec 8%, il n'y aura plus des gens qui tomberont. De notre côté, à nous, le peuple vaillant, le peuple courageux. Mais ceux qui tomberont, ça sera les enfants du corbeau noir, 8%. L'heure, elle est grave pour eux. Parce que tout enfant du corbeau noir que nous attraperons sur la place de Paris ou ailleurs, nous leur ferons la peau. Pour nos frères et sœurs tués dans le pour. Et également pour nos sœurs et frères, tués aussi dans le Nord. Parce que M. 8% a aussi tué au Nord. Il n'y a pas que les gens du Sud que M. 8% a tué. Même nos parents du Nord, il a envoyé plusieurs à la mort. Courage, peuple congolais, nous arriverons.
La lutte et le courage nous appartiennent à nous tous. Soyez bons, soyez braves, nous arriverons, Dieu est avec nous, que Dieu soit avec vous. Voilà, j'ai fini. Donc vous étiez en direct avec le thier africain qui dira toujours la vérité contre les cafards, contre ceux qui n'aiment pas le peuple de Dieu. Mais il est temps qu'ils puissent comprendre que l'heure est arrivée à ce que toute la bande des barbares, des cafards, de 8% puisse comprendre que l'époque, elle est revenue. L'époque est finie de jouer avec le peuple de Dieu. Car vous croyez que voler l'argent qui ne vous appartient pas, payer des maisons, payer des centaines d'immeubles, pour vous, ça, c'est la réussite. Mais honte à vous. Honte à vous, car vous finirez plus gravement que Bokassa, l'empereur Bokassa. Vous verrez, votre fin sera terrible. Votre fin sera très, très terrible. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Donc, au combi salissant, vous avez tellement fait du mal. Vous avez arrêté au combi salissant. Salissant. Vous avez arrêté le général. Vous avez arrêté le général Moukoko. Paulin Makaya. Le vieux Boukadia. Mais où va cette république? Et soi-disant, il y a un procureur, Okongakala, qui n'est qu'un pédophile violeur. Violeur, car Okongakala avait violé sa propre mère. Sa propre mère qui l'a violentée sexuellement. Oui, Okongakala, procureur du jour et procureur de la nuit. Car Okongakala, il est au service de 8%. Okongakala ne connaît plus ce que c'est le droit parce que c'était l'un des grands nuls à l'école. Nous nous posons la question comment il a fait pour être procureur. Oui, mais je crois qu'il est devenu procureur parce qu'il a eu à donner ce qu'on appelle à faire la chaise. Il a eu à faire la chaise et le canapé et le style du lit à 8% et 8% avec une satisfaction énorme que Okongakala lui a offert. Donc 8% l'a nommé procureur de la République des bananières. Une république de merde. Une république de sang. Une république là où on ne connaît pas ce qu'est le droit, mais où on connaît que tuer et envoyer plusieurs personnes à la mort. Peuple congolais, vous devez bien comprendre que si vous voulez que nous nous libérons, seul que la détermination et le courage qui pourront faire de nous un peuple libre. À bon entendeur, salut. Donc vous étiez en direct avec le thier. Le thier qui n'a pas peur de Sassou. Le thier qui n'a pas peur de tous les démons du corbeau noir. Le thier africain et français qui restera debout et debout pour en finir avec tous ces cafards. Oui, tous ces cafards, ils finiront, ils passeront. Nous le savons bien, ils finiront par passer. Dieu est avec nous. Salut et à bientôt.